Hello everyone, how are you? Ok, je sais pas parler anglais, stop, j'arrête ici. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé, ça doit faire quoi, un mois, un truc comme ça. Pour pas vous cacher, j'ai trouvé un taf, donc c'est-à-dire que ma motivation était un peu just, etc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu entre guillemets spéciale, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un piano un peu grand. Ce piano a une petite histoire quand même, puisque au final, je l'ai commandé, je devais le recevoir il y a un mois en fait. Tout simplement il y a un mois. Il a fait des allers-retours entre l'Allemagne, la France, le... Frère, il est parti partout. Il a fait le tour de la région parisienne, ensuite il est reparti à Strasbourg, je sais pas. On va voir. Je vous mets juste un petit générique et c'est parti. Donc pourquoi ce piano? Parce que tout simplement, ça me faisait chier, parce que j'ai tout simplement un petit clavier Akai MP4 qui juste me casse les couilles parce qu'il y a deux octaves. Et en plus d'avoir deux octaves, il y a une note qui est pétée, donc bon, moins, un peu moins utile du coup, pour le coup. Je vais l'ouvrir, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de spécial dans le carton, à part un piano. Eh ben en effet, il n'y a pas grand chose. Hop, on décalote. Pas satisfaisant ce putain de plastique. Ah! Et du coup voilà, il est placé, faut que je le branche, etc. Et on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Si jamais je vous donne le guide d'utilisation, il est à gagner en commentaire, dites juste guide d'utilisation. Et vous pourrez peut-être avoir la chance de le gagner. Et du coup, c'est pas tout, parce que si on s'arrête à là, la vidéo risque d'être un petit peu, peut-être un petit peu chiante. Maintenant qu'on a ça, je vais tout simplement try to make a beat. Enfin bref, il y a des VST qui sont inclus dedans. Je sais qu'il y a par exemple Xpen, je vais les télécharger plus tard. Je les aurai légalement, je vais pas vous... Enfin balancez pas à la police quoi, s'il vous plaît. Et du coup je vais ouvrir Xpen que j'ai pas encore. Alors attention par contre, je suis un piètre pianiste, hein. Vraiment je suis très mauvais. Ok, ça comme base ça peut être cool. Je commence sur un petit truc comme ça. Je vais peut-être rajouter, comme à mon habitude, un shaper box, ce qui va me permettre d'un peu pouvoir moduler le son entre guillemets. Je vais juste changer un peu la tonalité, je pense. Je vais juste par contre rajouter un petit EQ pour parce que sinon les graves vont nous faire chier. Même si je les trouve assez sexy en vrai les graves sur cette mélodie. Je vais rajouter une petite mélodie un peu top top mélodie entre guillemets. C'est normal hein, si c'est pas en rythme, je précise, ça va, j'ai un minimum le sens du rythme. J'ai mon câble de casque qui s'est coincé. J'étais juste un pur filet mignon. Je disais, si j'ai pas le rythme, c'est un peu normal. C'est parce que pour enregistrer le son, il y a forcément un petit peu de décalage, ce qui fait que c'est hyper dur de tenir le rythme. Je suis dans le rythme, un point c'est tout. Il est sexy par contre le preset. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. C'est The Rock là. Ça tue hein, franchement je kiffe. Là, on a un truc vraiment, vraiment stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça vraiment sympa. Ok, je vais pouvoir commencer les drums.
Ok, je pense que je vais faire une deuxième partie un peu plus trap entre guillemets. Ok, j'ajoute juste 2-3 petites percussions pour un peu de texture. Et voilà mon beat, mec, avec mon nouveau piano. Voilà, donc ça reste à tester, mais en tout cas, pour une première utilisation, j'ai trouvé le piano vraiment cool. Du coup, avoir plusieurs octaves, c'est assez sympa, ça me permet de jongler sans, entre guillemets, me soucier de quelle note je joue, de quel truc. Donc voilà, ça permet plus de liberté et je pense que je vais le sentir au fur et à mesure. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, la cloche, le pouce bleu, l'abonnement aussi. Je vise toujours les 1000 abonnés avant 2025. Et sur ce, je vais aller finir la prod, mix, arrangement. Je vais aussi faire une petite top line et je te laisse sur ce résultat final. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, on croise les doigts et d'ici là, porte-toi bien, salut. Chaque fois sur mon compte, je vis in et out. Je pèse dans très très fort, tu sais que je vois mon sang qui marche. Lui c'est un fake, j'aurais pleuré à sa démarche. J'ai mis des mois pour la presser, suffit d'une pompe où je me détache. Sous les projecteurs, la city, je vois les hommes qui se mouvoient. Un an, un minute, la soirée, mon micro, ça, mon cortex cérébral. Je suis sur la lune, welcome to Gataka. Pour pas dire que je suis juste perdu, je me raccroche à ça.